Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur ma routine teint. Donc tout d'abord, alors je vais commencer par mon fond de teint du moment, c'est la bébé crème que je ne quitte plus depuis 15 jours, la bébé crème de chez Garnier. Voilà, soin minéral protecteur, crème quotidienne 5 en 1. Moi je l'ai pris en teinte claire. Voilà. Elle fait 50 ml. Et moi, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Et que je ne quitte plus. Voilà. Sinon, en fond de teint pardon, d'été, je porte aussi habituellement le voile de teint de chez Yves Rocher. Qui est à peu près le même principe que la bébé crème. Hein, ça ressemble beaucoup, on va dire. Et je l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'ai en teinte claire naturelle. Voilà, il se présente comme ça. C'est un flacon, par contre, de 30 ml, me semble-t-il. Oui, 30 ml au lieu de 50. Mais bon, elle n'est pas très très chère. Voilà. Bon, je vous présente mon fond de teint hiver. C'est le fond de teint de la gamme Couleur Naturelle d'Yves Rocher. Zéro défaut. Voilà, qui se présente comme ça. Ça, c'est mon fond de teint hiver. Donc, moi, j'ai la teinte rosée 200, teinte claire, qui me va très bien. J'aime beaucoup ce fond de teint. Ensuite, j'ai ma poudre libre beige naturelle d'Yves Rocher aussi. Voilà. J'ai une poudre minérale naturelle. Voilà, que j'utilise. Si j'utilise pas cette poudre-là, j'utilise la poudre de chez ELF à 1 euro, qui est très très bien. Je l'aime beaucoup. Voilà, qui se présente comme ça. Vous devez toutes connaître. Alors moi, j'ai pris deux teintes. Et là, c'est la teinte Light Beige. Voilà. Ça, c'est ma poudre du moment. J'utilise aussi mon correcteur de ELF à 1 euro. Toujours la même gamme que vous devez connaître. Moi, j'ai la teinte Ivoirie qui est un petit peu claire pour l'été. Mais bon, je verrai si j'en trouve une autre. Et sinon, quand j'ai quelques petites imperfections, j'utilise le Stop Correcteur Malin. C'est beau spécifique d'Yves Rocher. Voilà, c'est un bâton, on dirait un rouge à lèvres, hein, qui se présente comme ça. Voilà. Et c'est un correcteur. J'en applique sur quelques petits boutons quand j'en ai. Là, pour le moment, j'ai une peau plutôt pas mal, donc j'utilise pas. Mais c'est un produit que j'utilise régulièrement quand j'ai une petite imperfection, une petite rougeur, voilà, qui marche très bien. Voilà les filles, tous mes produits du moment. Enfin, j'en ai délaissé quelques-uns parce que, bon, l'hiver, j'utilise pas forcément les mêmes couleurs que l'été. Mais je voulais vous les présenter. Je vous fais plein de bisous. Bye bye les filles et je vous dis à une prochaine vidéo.